L'indice est carrément bon. Qui? Ça vient où? Mathieu. Ah, je vais goûter alors. Ouais, chez Megafit. Ok. Tu veux goûter? Tiens, je vais t'en... Non. Tu veux goûter? Alors, il y a nougat caramel et peanut caramel. Which one? You choose. Allez, nougat. Alléluia. Alléluia. Chez Megafit, comme d'hab, comme tous les produits que je prends, tous les produits qu'on voit au-dessus de cette étagère, mon super sponsor de toujours. Les Beds, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ces derniers temps, on était pas mal occupé avec madame et aussi ma préparation qui se corse un petit peu. Là, on est à 2 semaines de la compète et je suis complètement crevé, je suis mort. Mais bon, je tiens le coup et puis on a vraiment hâte de partir, enfin, avec Hiroari. On a hâte d'aller en Australie pour cette compétition. Manger. Ouais. Et puis surtout après la compétition, j'aurai droit à un repas où je pourrai manger un petit peu ce que je veux. Donc voilà, ces derniers temps, on est occupé parce que, comme vous le savez, avec madame, on participe à l'émission Renault Hippo. Donc j'en profite pour vous dire, s'il vous plaît les amis, si vous pouviez voter. Nous, on est le couple numéro 5. Donc, faut envoyer Renault 5 au... Attends, je cherche le numéro... 7944. Donc voilà, Renault 5 au 7944. Et puis, voilà, j'espère que ce que vous allez voir à la télé, ça va vous plaire. On a fait une cérémonie particulière. C'est pas un mariage civil. Donc, c'est une cérémonie traditionnelle. On a eu la chance de pouvoir... bénéficier de ce type de cérémonie. Et voilà. Du coup, Hiroari était là aussi pour nous filmer, pour avoir des images backstage. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas pu sortir de vidéos entre, parce qu'on a shooté déjà quelques... On a shooté 2 vidéos, je crois, c'est ça, hein? Ouais, on a shooté 2 vidéos pour le backstage de Renault Hippo. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu chill parce que je suis carrément fatigué. Donc on va aller faire un tour dans un magasin qui me sponsorise aussi. Donc je vais vous montrer exactement tous les aliments que je consomme là-bas. Donc je finis juste d'abord de faire mon 1 comme on est samedi et après on y va. Allez, let's go! Alors, justement, je voulais profiter qu'on soit un petit peu cool à la maison aujourd'hui pour répondre un petit peu à certaines questions. Donc, il y a pas mal de gens qui me demandent encore c'est quand la compétition. Donc, juste pour répéter un petit peu, la compétition, c'est le 30 avril. Donc, c'est dans 2 semaines. Donc, ça sera un dimanche en Australie. Et moi, je pars du coup le 26. Donc le mercredi, et on arrive là-bas carrément le jeudi en fin d'après-midi. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut gérer les repas dans l'avion. Je vais tout cuire à l'avance. Et il me semble que normalement on peut aller dans l'avion avec son main à partir du moment où c'est cuit. Donc je croise les doigts, j'espère que ça va être bon. Au pire, quand c'est comme ça, je prévois toujours genre des bars protéinés, voilà, quelque chose de simple. Il faut quand même que j'ai quelque chose à manger parce que le mât qu'il y aura dans l'avion, je ne pourrais pas manger en fait. Donc
Voilà, ces dernières semaines, c'est compliqué quand on part en voyage. Quand on est ici, c'est beaucoup plus simple parce que voilà, on a tout, quoi. On a nos petites habitudes, on a notre cuisine, on a nos aliments déjà de près. Là, un déplacement, ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, par rapport aux questions, la plupart des gens, ils me demandent ouais, toujours comment je fais pour rester motivé, comment je fais pour manger tous les jours la même chose. Je reviens Roya à la dernière vidéo que j'ai faite sur voilà, les 5 conseils pour progresser. Je vais afficher ici, non, c'est ici, enfin, dans un des deux coins. C'est l'objectif, Roya, l'objectif de compétition. C'est tous les jours en fait, c'est dur. Les gens ils pensent que ça devient une habitude. Il y en a qui me disent, ah, t'as l'habitude aussi de la diète. Oui et non en fait, c'est-à-dire qu'on s'habitue quand même. À avoir faim entre guillemets tous les jours, mais tous les jours c'est le même combat quoi. J'aime bien prendre cet exemple-là de d'une route en fait. C'est un peu comme une route semée d'embûches. C'est juste que à force de l'emprunter, on sait en fait où il y a des trous, voilà, où il y a des pièges à éviter. Donc on connaît la route, mais quoi qu'il arrive, quand on va emprunter cette route, elle sera toujours aussi dégueulasse entre guillemets quoi. Il y aura toujours les mêmes obstacles sur cette route-là. C'est juste que voilà, à force d'y être, on commence à l'apprivoiser, on va dire. D'autant plus que là, j'étais malade en fait pendant le long week-end de Pâques. C'était un petit peu compliqué par rapport au moral. Donc j'ai mangé un peu plus que ce que je ne devais. Heureusement que ça va. Je sais toujours comment faire pour me rattraper. Surtout que là, on est à 2 semaines, donc ça va aller vite. Ce matin, plutôt satisfait. Enfin, j'ai pu poser ce matin avec coach Anthony Bach. On est plutôt satisfait de l'avancée. Là, il reste encore 2 semaines. D'ici là, 2 semaines, ça va être comme ça. Enfin, j'ai hâte de montrer un petit peu le physique qui est un petit peu différent du physique que j'ai eu l'habitude de montrer sur une scène. J'ai eu d'autres questions aussi par rapport à l'alimentation. Il y en a qui me demandent, ah, mais combien de grammes il faut pour perdre du poids, comment est-ce qu'on fait pour calculer ses calories? Personnellement, ce type-là de préparation, je conseille à personne de faire ça parce que ça peut amener à avoir des troubles. Je vous dis ça par expérience parce que moi j'en ai eu. C'est-à-dire qu'au début, quand je commençais à peser tous mes repas et tout, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire. Il m'a fallu peut-être 3 ou 4 prépas pour apprivoiser, on va dire, mes troubles. Et par contre, si vous n'avez jamais fait de régime et que vous voulez commencer déjà par compter vos calories, tout peser comme ça va, je pense pas que ça va être bénéfique pour vous, quoi. Donc, mangez moins, bougez un petit peu plus surtout. Donc, si vous avez l'habitude de rentrer à la maison et voilà, de rester devant la télé, mettez des chaussures et puis allez marcher une petite demi-heure, c'est déjà ça. Ça va vous faire de l'énergie dépensée en plus et des calories dépensées. Mais je ferai une vidéo spécialement sur les calories, où je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc là, ce matin, je vais juste finir mes repas. J'ai préparé déjà mon blanc de poulet. Donc voilà, là, toutes mes baguettes de blanc de poulet. Le soir, en ce moment, je mange de la viande rouge. Il y en a aussi qui me demandent, ah, du coup, tu manges plus du tout de viande rouge d'ici. C'est, voilà, c'est... Moi, ça rentre dans mes calories, donc j'ai fait en sorte de pouvoir manger de la viande rouge tous les jours, mais d'être en déficit calorique. Donc, il y a des aliments, bien sûr, que je m'interdis, comme la mayonnaise, c'est tout ce qui est huile, mais voilà. Tout ce qui est protéines, ça reste de la protéine. Dans la viande rouge, tu as beaucoup de fer aussi, qui peut être bénéfique aussi pour le corps. Et puis, en termes de sources de protéines, c'est bien aussi de varier. Donc vous avez de la viande rouge, du poulet, du poisson. On a de la chance ici d'avoir beaucoup de poisson. Donc n'hésitez pas à varier entre toutes les sources de protéines. Vous n'êtes pas obligé de consommer qu'une seule source. Plus vous allez varier, plus votre alimentation en fait, elle va être complète. Si vous mangez des œufs par exemple, tu as du bon cholestérol dans les œufs qui va aider justement à combattre le mauvais cholestérol. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc n'hésitez pas à varier vos sources de protéines. Donc pour ceux qui me demandent aussi quand je cheat, qu'est-ce que j'aime manger? Donc voilà, j'ai plein de sortes de céréales parce que
J'adore ça. Bon, en ce moment, ben, on ne peut pas rien manger. Mais bon, bientôt la faim. Faim F-I-N, parce que la faim F-A-I-M, elle est là constamment. Alors, un truc aussi que je voulais, dont je voulais vous parler, c'est comment je me sens quand on fait une diète comme ça. Pour être tout à fait franc avec vous, on est fatigué tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que la plupart des gars qui me disent « Ah, j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie de faire des compètes », je leur dis « Ah, les gars, réfléchissez bien avant de, avant de vous lancer dans ce genre d'objectif. C'est bien d'avoir un objectif de compétition. Mais si vous n'avez pas le bagage psychologique, surtout, hein, si vous n'avez pas le bagage psychologique pour tenir une diète, que ce soit sur le plan physique ou psychologique, ben, vaut mieux éviter, quoi. C'est compliqué de rester calme H24. Moi, si par exemple j'ai un de mes repas, surtout le soir, hein, si j'ai un de mes repas qui est un petit peu en retard, ben madame, elle voit, je stresse, quoi. Je suis pas bien parce que mon cerveau, il pense qu'à une chose, c'est manger. Manger, c'est un besoin fondamental. C'est un peu comme quand t'as soif, quoi. Tu peux pas te retenir, il faut que tu manges. Donc, si vous n'êtes pas prêt à être dans cet état-là de frustration au quotidien, vaut mieux ne pas faire de compétition. Donc, d'abord privilégier le bien-être psychologique et après le bien-être physique. Ça, c'est ma glutamine que je mets dans avec mes flocons. Glutamine de chez Megafit Biotech. Alors, la glutamine, elle aide au transport de la protéine. Donc, c'est un petit peu comme, un train qui va aider à transporter les protéines dans les cellules musculaires. Et c'est bon aussi pour la digestion. On fait ça, après on fait les courses, déjà 11h. All right, donc là, ben, on est en route pour Tahiti Food Mart. Donc, on va aller faire quelques courses. Je vais vous montrer exactement tout ce que je prends. Donc, pour mes prépas, ben, les aliments que je consomme. Donc, ben, je vais vous laisser découvrir un petit peu ça. Je vais vous faire découvrir aussi un petit peu le magasin. Ils vendent des produits, ben, des produits US, donc produits américains. Ben voilà, là on est parti. Il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un truc en tête. Je sais même plus, je suis fatigué. Ah, ce matin, je me suis levé à 3h30, 4h du mat. C'était pas pour faire mon cardio. Et en fait, je me suis levé parce que j'avais faim, en fait. Donc, voilà, je vous partage un petit peu, voilà, cette petite expérience que j'ai eue ce matin. J'arrivais plus à me rendormir parce que j'avais trop faim. Qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation? Alors, j'ai deux solutions. Soit, ben, je craque et je mange un peu n'importe quoi. Soit, je me fais un truc genre un shake de protéines, juste pour m'aider un petit peu à me calmer et à me caler, comme ça je peux retourner au lit. Ou soit, ben, je tapais à Paris, quoi. Donc, ben, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé, j'ai fait ce que 100% des gens font quand ils sont en prépa. J'ai ouvert mon frigidaire, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai refermé mon frigidaire, j'ai touché à rien. Heureusement, je me suis fait un grand verre d'eau, en fait. Du coup, ben, j'ai bu un grand verre d'eau et puis ben, j'ai essayé de me rendormir. J'ai pu quand même me rendormir et puis ben voilà, c'est dans une préparation, une compétition, hein, toujours ce genre de petites épreuves, enfin des petites épreuves. C'est carrément dur, hein, c'est carrément dur de se lever en pleine nuit, en fait, parce qu'on a faim. Ça, c'est vraiment un truc. je souhaite à personne de vivre cette expérience. Mais voilà, une préparation, une compétition, c'est ça. Donc,
faut vraiment avoir voilà, une mentalité, on va dire, à toute épreuve. Donc, ben moi, avec l'expérience des compétitions, c'est ce qui me permet aussi de tenir. Ah oui, il y en a qui m'ont demandé, est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur d'aller faire la compétition? Alors, j'ai peur, oui. J'ai peur de quoi? J'ai peur de décevoir, en fait. J'ai peur parce que moi, dans ma tête, je vais pour gagner. Je vais pour au moins revenir avec une médaille, ça c'est sûr. Je serai quand même déçu de revenir sans rien. Si je peux gagner, avoir la première place, ça serait carrément le top du top. Mais est-ce que j'ai peur de la compétition? Non. Est-ce que j'ai peur de mes adversaires? Non. Quand je fais une compète aussi, y a, surtout sur le plan local, et c'est un petit peu aussi ce qui fait la différence entre, enfin je trouve, hein, c'est ce qui fait la différence entre moi et certains compétiteurs locaux. Il y a des compétiteurs locaux qui aiment bien dire, ah, il y a machin qui fait la compète, il y a machin qui fait la compète. Moi, je ne suis pas vraiment dans cet état d'esprit. Moi, le seul gars que je veux battre, c'est moi, en fait. Je me regarde tous les matins dans le miroir. Je me dis, ok, qu'est-ce que je dois faire pour être mieux que lui? Parce que de toute manière, se comparer aux autres, ça va rien m'apporter, en fait. Ça va pas, enfin moi ça me motive pas. Peut-être que pour certains compétiteurs ça les motive de se comparer aux autres, mais moi ça m'aide pas du tout. Donc je me concentre que sur moi, mon physique, ma prépa. Et j'ai toujours un petit peu cette idée dans la tête d'une course. Imaginez une course de voiture. Généralement, voilà, on est sur la dernière ligne droite. Ben, ce que tu dois faire, tu dois juste fixer la ligne d'arrivée. Parce que là, voilà, tu es à fond. Et le moindre écart, ça peut créer un accident. Donc, quand je suis dans ma prépa, je suis la tête dans le guidon. Je regarde la ligne d'arrivée. Je sais que c'est là que je veux être. Je vais à fond. Et jamais je tourne la tête comme ça. Tu vois. Je me dis, ah, si je fais ça, je regarde où il est mon voisin, où il est machin, ben, je risque d'avoir un accident, en fait. Donc, c'est un petit peu l'image que j'ai. Donc, je me concentre toujours sur cet objectif-là que j'ai de moi arriver en premier sur cette ligne d'arrivée. Donc, voilà, petit mindset que je partage avec vous aujourd'hui. Il est 11h30, j'ai mangé à 1h, j'ai déjà faim. Allez, allez Brian! Alright, here we are. Donc voilà les beds, c'est ici Tricky Food Mart. Donc ben, c'est là où je viens chercher, je viens faire une partie de mes courses. Tu peux ne pas casser ma vie, s'il te plaît. Frangin, tu t'es mal garé. Allez, on va se garer là. J'en paie, à Tahiti. Coupez-vous vous garer. Vous pouvez aussi penser aux autres, s'il vous plaît. Je dis ça, je dis rien. Bon, allez, on est parti. Alors les frangins, là on est à Tahiti Food Mart, qui se situe à Punavia, pas loin de... Comment ça s'appelle déjà? Hyper Brico. Hyper Brico Punaru. Je suis avec Mac qui est le gérant de Tahiti Food Mart, et que je remercie de m'aider dans ma prépa. Tout est des bons à prendre. Mac me permet de venir chercher une partie de ce que j'ai besoin pour ma préparation ici dans son magasin. Parle-moi un petit peu de toi. Ça fait combien de temps que vous avez le magasin? Alors, il y en a tout le monde, hein. Ça fait 13 ans là, qu'on est ouvert. On a monté donc un commerce donc à Punavia. On n'est pas directement des États-Unis, donc on a plein de choses. En partant de l'alimentaire jusqu'au bazar, on vend également du caoutchouc. Donc on est très diversifié. Je crois que vous êtes les seuls ici à faire en plus ça, hein, le carabassin. Exactement, ouais. Voilà, sur la côte ouest. Hein, ouais. Donc on est bien placé. On a un grand parking. Carrément. Et bon, les gens commencent à nous connaître, donc tant mieux pour nous.
Moi, en ce qui me concerne, je lui ai fait quelques petites courses, je vais monter exactement ce que je prends. C'est parti. Et là. Petite glacière comme ça, pour ceux qui veulent mettre le Tupperware dedans. Ça, c'est génial ça. Alors, je viens juste de voir qu'ils vendent aussi des Tupperware. Donc, pour ceux qui en veulent, les gars, Tritty Food Mat, il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont demandé où est-ce qu'on peut avoir des Tupperware. Ben là, ça tombe bien. Il y en a ici. En plus, il y en a. Il y a 30. Donc, 30 Tupperware. Ils mettent 60 pièces, mais c'est parce qu'ils comptent les couvercles avec. Donc, tu as 30 Tupperware et 30 couvercles. Donc, voilà les buds. Alors, il en reste 5. J'imagine ouais, que d'ici la semaine prochaine, il n'y aura plus rien. Donc, dépêchez-vous. Là, on a même le rayon pour les fêtes. Les pignatas. Ouais. Prendre ça, j'ai emmené en Australie. Je vais mettre plein de cochonneries dedans. Ça, quand on aura fini, je casse. Je bouffe tout ce qu'il y a dedans. Beaucoup de petites choses intéressantes. Et il y a les mugs. Ceux qui cherchent des mugs aussi. Ça, c'est carrément top. Ma femme, elle en a là, y a une dizaine, je crois, des comme ça. Hein. Elle est complètement fan de ça. Petite balance digitale pour ceux qui veulent peser le M1. L'outil indispensable du bodybuilder. Donc, il y en a ici. N'hésitez pas. Donc ici, on est dans le rayon où tu as tous les produits voiture, on va dire. T'as tout ce qui est produit de nettoyage pour voiture. Moi, généralement, c'est là aussi où je viens acheter parce que j'ai l'intérieur de ma voiture, c'est du cuir. Donc, je prends mes produits là pour pouvoir traiter l'intérieur. Donc, ce qui est bien dans ce genre de magasin, c'est qu'on trouve vraiment de tout. C'est un peu comme un Carrefour version US, quoi. Il y a même des piles. Comme à Costco. Ceux qui connaissent Costco. Jean, ça va bien? Oui, bien. Ça va? Oh! Là, on va aller dans le rayon qui nous intéresse. La bouffe. Alors, de manière générale, qu'est-ce que je prends? Première chose, les flocons. Donc, vous avez plusieurs sortes de flocons en vrai. Moi, ce que je prends, c'est ceux-là. Non, pas les old fashion, les ceux-là. Écoute. Alors, la différence entre ça et ça, c'est juste que ça, les grains, ils sont plus gros. Moi, je préfère quand les grains sont plus petits. Après, voilà, c'est la préférence de chacun. En termes de nutrition, c'est exactement la même chose. C'est identique. Donc, ça dépend de comment vous aimez vos flocons. Il y en a qui aiment bien quand les flocons, c'est carrément presque comme de la poudre. Moi, j'aime bien quand c'est entre les deux. Donc, pas les gros, mais les simples comme ça, là. Les quick 1 minute oats. Donc, c'est ça que je prends. Je vais aller prendre un chariot. Je vais aller chez un chariot. C'est mieux avec un chariot. Alors, ça, un truc que j'aime bien prendre aussi, c'est une alternative au sucre, sauf qu'il n'y a pas de calories, donc on a zéro calorie. Donc, pour ceux qui aiment, mettre du sucre dans leur café, vous pouvez utiliser ça. On appelle ça de l'érythritol. Donc, c'est un nom un petit peu space, mais bon, c'est à base de plantes. Et puis, c'est une alternative au sucre. Et 100 calories. Donc, toujours cool d'avoir ça dans sa cuisine. Même pour ceux qui font des gâteaux, si vous voulez faire de la pâtisserie allégée, sans sucre, mais avec un goût sucré, vous pouvez utiliser ça. Café, généralement, moi je prends ce café-là. Bon, j'en ai déjà à la maison, mais j'aime bien prendre en gros en fait. Du coup, ça me permet. Tu payes un peu plus cher à l'achat, mais au moins ça tient longtemps. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, keep going. Là, c'est mon rayon. On dit mon rayon fétiche.
C'est là où il y a tout ce qui est tatinade. Alors, tout ce qui est peanut butter, bon, maintenant vous savez, c'est vraiment le truc que je kiffe. Ça, j'en ai déjà. Ça, c'est quand même plus cher, mais c'est carrément bon. Donc, là, je vais vous prendre un. Alors, 33 grammes, 180 calories. Donc, moi, quand je fais mes courses aussi, généralement, je regarde toujours il y a combien de calories pour avoir une idée de ce que je mange. J'aime bien que ce soit précis, comme ça je peux l'entrer dans mon application aussi, MyFitnessPal. Voilà, c'est good. Tiens, des amandes couvertes de chocolat. Ça c'est quand même bonbon ça. Bon allez, on va pas rester trop longtemps dans ce rayon. Sinon, je vais prendre n'importe quoi. Hey, allez, chocolat Godiva aussi, ceux qui connaissent. Ceux qui vont souvent en Amérique. Les Godiva, ça c'est méga ça. C'est carrément bon. Alors, fruits secs, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment ça. Moi, je suis pas tellement fan, hein, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien mettre dans les flocons d'avoine ou utiliser par exemple du fromage blanc et mettre des fruits secs dedans. Ceux-là, personnellement, je les ai pas goûtés, donc je sais pas quel goût ça a. Donc on a chili mango, cranberries et l'autre ginger. Donc ginger, c'est quoi? Gingembre. Donc voilà, c'est vraiment voilà, l'appréciation de chacun. Par contre, ce que madame elle aime bien quand je prépare ses petits déjeuners, que ce soit avec du fromage blanc ou des flocons, c'est des amandes, ça. Alors je prends celle-là parce que bon, c'est sans sel. Après, c'est vraiment, voilà, si vous préférez les amandes avec sel, c'est pas un problème. Moi, généralement, je dis pas spécialement aux gens d'éviter le sel, mais peut-être juste de réduire un petit peu, parce qu'on se rend pas compte, mais dans la plupart de nos aliments, il y a beaucoup de sel. Donc, moi, personnellement, je mange quand même plutôt salé. Donc, j'ai jamais eu de problème avec le sel. Après, pour les gens qui ont des problèmes, par exemple, de tension artérielle, c'est sûr que ben, voilà, faut faire attention au sel quoi. Et au sucre. Vinaigre de cidre. Alors, ça, moi, je prends tous les matins. Tous les matins, j'ai du vinaigre de cidre avec du citron et du curcuma. Donc, c'est un petit peu ma boisson détox du matin. Pourquoi je prends ça le matin, c'est parce que ben déjà c'est un petit peu c'est antioxydant et c'est un petit peu ben voilà, une sorte de boisson détox du matin quoi. Ça aide à éliminer un petit peu toutes les toxines que le foie a accumulées aussi. Bon, ça arrache le matin, mais ça, on se sent bien après. Et la moutarde. En fait, je veux voir les calories. Moutarde, zéro calorie. Donc, moi, je raffole de tout ce qui est, voilà, ben, tout ce qui est zéro calorie de manière générale, parce que ben, ça me permet d'avoir de la sauce dans mon poulet, ben, sans culpabiliser, on va dire. En hors saison, je pourrais éventuellement, par exemple, utiliser ça. Donc, c'est de la mayonnaise avec de l'huile d'avocat dedans. 100 calories pour 15 grammes, bon, ça fait genre une petite cuillère à café. Ben dans le poulet, ah, ça doit être carrément bon. Mais bon, en ce moment, ben, pas le choix, donc on va rester éloigné de ce genre de sauce. Mais ça reste une excellente alternative à la mayonnaise ben, qu'on trouve, tu sais, la mayonnaise Kraft, pour ne pas citer de nom. Donc, vu que ça, c'est à l'huile d'avocat, en termes de valeur nutritionnelle, c'est un peu plus intéressant. On a 12 g de lipides, on a juste 1,5 g d'acide gras saturé. Et généralement, c'est ça qu'on essaie d'éviter au maximum lorsqu'on fait un régime, les acides gras saturés. On a des acides gras polyinsaturés et monoinsaturés qui sont plutôt du bon gras. On a aussi ça pour ceux qui veulent aller vite. Donc ça, c'est du,
c'est du saumon rose, donc c'est des conserves de saumon rose. C'est plutôt utile quand t'as envie d'aller vite en cuisine. Donc on a du saumon rose, on a du thon, on a même du blanc de poulet là ici. Donc blanc de poulet en conserve. Après voilà, c'est vraiment tout est bon à essayer. Moi celui-là généralement quand je prends ça et que je suis en hors saison, j'aime bien prendre ça et ça par exemple. Et puis du coup je les mélange et puis je fais des sandwichs. Donc j'ai des sandwichs blanc de poulet avec de la mayonnaise, cette mayonnaise là à l'huile d'avocat. Puis ça donne des super sandwichs. Donc avec un peu de salade, un peu de légumes dedans, un peu de tomates, c'est juste perfect quoi. Spray de cuisson. Donc pour ceux qui m'ont demandé où ça vient les sprays de cuisson, c'est ici que je prends tous mes sprays de cuisson. Donc il n'y a pas de calories. Encore une fois, ça évite de mettre de l'huile d'olive. Donc ça c'est pour ne pas que les aliments collent dans la poêle. Même lorsque je fais mon poulet dans mon air fryer, j'utilise toujours le spray de cuisson. Ça évite que le poulet il s'accroche au fond quoi. C'est plus facile après pour nettoyer. Sinon vous avez ça aussi. Bon, ça c'est à l'huile d'olive. C'est sûr que si tu mets une tonne de spray pendant 10 secondes, bon, il y aura peut-être éventuellement des calories. Moi je préfère ce format là parce que déjà il est plus grand, donc il tient plus longtemps. Donc moi c'est ça que je prends. Alright, un autre truc super aussi quand tu es en diète, ce genre de format là, donc c'est du riz brun. Ce qui est bien quand tu as ce genre de format là, c'est que voilà, c'est déjà pesé, c'est déjà prêt, tu as juste à réchauffer au micro-ondes et puis tu as ton truc déjà prêt. Donc pour vous donner un exemple, si vous n'avez pas envie par exemple de faire la cuisine, vous pouvez prendre ça et ça, tu vois. Genre, vous prenez un truc comme ça avec la moitié par exemple d'une conserve de blanc de poulet et puis ça vous donne un repas par exemple. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire une diète si vous voulez pas passer des heures en cuisine. Ça c'est super super facile à préparer. Enfin encore, il n'y a rien à préparer, il y a juste à réchauffer. Donc petit tips que je vous donne. Ça c'est pas mal aussi, voilà. Alors, je viens de voir sauce tagine, 0 calories. Donc voilà. Bon, j'ai déjà plein de sauce à la maison, donc ça je vais pas prendre. Mais ça peut être intéressant aussi pour ceux qui aiment bien tout ce qui est hot sauce, sauce piquante. Ça va? Non, viens. Bonjour, ça va? Oui, également, j'avais pas de Mais non, t'inquiète, ne dérange pas. Bonne journée, hein. Donc voilà, ça sinon du tabasco pour ceux qui aiment la sauce piquante. Sachez que le tabasco, il n'y a pas de calories aussi. Donc voilà. Pourquoi je vous montre un petit peu aussi tout ce qui est sauce sans calories, c'est pour ceux qui n'aiment pas manger, pour ceux qui pensent que le poulet, ça doit se manger sec. Non, absolument pas. Il y a toujours des alternatives. Ensuite, mon caddie, il est plutôt bien rempli. On va aller chercher les épices. Donc là, voilà, on est dans la partie épices. Bon, il n'y a pas l'épice que moi j'ai l'habitude de prendre. C'est cette marque-là. Et le nom, c'est. Normalement, c'est une épice orange. Ça s'appelle Woodfire Garlic. Et ça, c'est vraiment mon épice préférée, quoi. Et bon, les autres, ça fait l'affaire aussi. Toasted onion, ça a l'air bon, ça. Alors, pareil, tout ce qui est bien avec les épices, c'est que c'est 0 calories. Donc vous pouvez y aller. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Ça, je vais prendre ça, je vais goûter. Bon week-end. Voilà en gros ce que j'ai l'habitude de prendre lorsque je viens ici à Titi Food Mart. C'est la base. Hein. Le flocon d'avoine, mon fameux beurre d'amande que j'adore. Les cacahuètes, le sucre sans sucre. Les épices, moutarde, vinaigre de cidre, spray de cuisson. C'est déjà ça me permet au moins de tenir déjà quelques semaines.
Même là, avec ce qu'il y a en flocon, ça va même me permettre de tenir environ, je dirais un mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qui est bien quand tu achètes en gros, c'est que ben, ça te tient plus longtemps. Donc voilà, on va aller à la caisse. Allez, c'est parti. Thanks, hein. On peut tout faire. Alors, juste pour te donner que voilà, on a reçu le nouveau blend jet, hein. Donc 100% américain. Et pour faire tes smoothies, tout ça, c'est l'idéal. C'est madame qui va être contente. Vous partagez, on va y arriver, bon, pas de là, dispute. Hein. Non, là on va se battre là pour utiliser ton blender. Ah oui, c'est carrément bien. Ouais. Ça a l'air top, hein. Ah, il est excellent. Mmh. En plein kilomètre. Du coup, ça, tu branches juste sur secteur. Voilà, tu branches sur secteur, ensuite ça se recharge. Ah, voilà. Ouais. USB. Voilà. Ah, génial, hein. Des batteries en lithium, donc ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Ouais. Ça va, ça casse bien la glace aussi quand tu mets dedans. C'est fait pour ça. Ouais, ça, même la glace là, sur la photo. Donc c'est pour te prouver que c'est un super bon produit. Les amis, si vous voulez un mixeur, super mixeur, comment ça s'appelle? Blendjet. Tiki Food Mat. From USA, voilà. Yes. Il nous vient tout droit d'Amérique. Par moi, en plus, Blendjet, c'est une bonne marque. Hein. Une excellente marque. Ouais. All right. En tout cas, merci pour bonheur. Merci beaucoup pour ton aide. Avec plaisir. Et puis, on se voit à mon retour, hein, quand je reviens d'Australie. Donc voilà les buds, moi j'ai fait mes petites courses. Ben, j'espère que vous, ça va vous aider un petit peu dans vos objectifs, comme d'habitude. Vous avez un petit peu une idée de ce que moi j'ai l'habitude de manger. Vous avez une idée de ce que je consomme, du coup, ben, n'hésitez pas. Venez ici chez Tahiti Food Mat. Et puis ça fait faire des économies que d'acheter les choses petit à petit séparément. Généralement, tout ce qui est produits en gros, je viens tout chercher ici. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des produits spécifiques aussi que vous n'allez pas trouver ailleurs. Donc Tahiti Food Mat, je suis plutôt confiant. Là on est le 15, la compète c'est le 30, je pars le 26, ça va aller vite. Mais bon, allez, on est motivé et puis on a hâte d'y être. Donc à la prochaine les buds, ciao.